Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Nyang's Reborn. Dans cette vidéo, surtout s'abonner, vous le savez déjà. Abonnez-vous, activez la cloche surtout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos ou encore les notifications. Oui, le saviez-vous. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que la sirène avait un livre? Un livre dans lequel elle peut écrire le nom des gens. Et ce n'est pas n'importe quel nom. C'est bien sûr le nom des gens qui sont en contact avec elle ou en contact avec ces objets, mes frères et sœurs. Nous ne le savions pas, mais le témoignage très puissant que nous préparons pour la semaine prochaine, même le lundi prochain, nous a révélé des choses graves encore et nous avons décidé de vous préparer votre esprit à ce témoignage ou encore à cette histoire vraiment trop compliquée. Que Dieu lui-même vous garde et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous aide dans cette vidéo afin de nous rappeler de tout ce que nous avons entendu. Afin de vous dire clairement ce qui s'est passé et ce que nous avons entendu. Pour le moment, le travail a commencé. La vidéo sera disponible lundi prochain et le jeudi qui va suivre. Soyez prêts, soyez prêts. Et si nous sommes au 3, cette vidéo sera par la suite traitée en détail. Soyez également prêts. Ça veut dire que vous devez vous abonner sur Nyang's Reborn 1, Nyang's Reborn 2, Nyang's Reborn 3 et toutes les chaînes Nyang's Reborn. On ne sait jamais, cette vidéo peut apparaître d'un moment à l'autre. Soyez donc prêts et regardez les vidéos qui sont déjà disponibles, y compris le témoignage que nous avons traité le jeudi et le lundi dernier. Mes frères et sœurs, le témoignage que nous avons montré de traiter là a révélé que il y a des choses graves qui se passent sous l'eau. Et les choses graves qui se passent sous l'eau là nous concernent. Pourquoi ça nous concerne? Ça nous concerne dans la mesure où il y a des objets qui sont conçus là-bas qui viennent sur la terre ici. Quelqu'un va dire, mais comment? Premièrement, on ne voit rien. Sous l'eau, il y a des poissons. Comment tu peux me dire avec des objets? Mais frères et sœurs, ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas qu'il y a des satanistes, il y a des sorciers, il y a des magiciens dans ce monde. Ces magiciens, les sorciers, les satanistes là, qui sont en contact avec ces gens qui se trouvent dans le sous-l'eau qu'on appelle les sirènes, les tritons ou encore les démons. Ces gens-là vont là-bas pour prendre des objets ou encore les sirènes ou les démons. Ces démons-là leur donnent des objets qui viennent commercialiser ici. Et quand vous commercialisez ces objets-là, nous on les achète. Ces objets-là en question-là, c'est tout ce qu'on trouve sur le marché. Ici par exemple, ce sont des rouges à lèvres. C'est le témoin que vous allez recevoir le lundi là. Voici un ex-sataniste, quelqu'un que Jésus-Christ lui-même a emmené pour voir des choses là-bas. Mes frères et sœurs, voici ce qu'elle a dit que nous avons entendu d'abord. Ce n'est pas encore fini. C'est qu'un aperçu. C'est que l'entrée en matière. Ce sataniste a dit, ou cette personne a dit, que quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé des corps entassés comme ça. Mais elle a remarqué que ces corps-là, c'était pâle. C'est comme si ces corps étaient vidés de leur sang. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Et elle dit que ces corps-là étaient entassés, étaient milliers. Et le Seigneur lui a dit que ces corps-là, en fait, ce sont les bateaux qui ont échoué là. C'est-à-dire des bateaux comme les Titanic, toutes ces choses qui sont tombées dans l'eau là. Qui sont entrées, qui sont, comment vous appelez, immergées là. Ce sont ces molles là. Qui sont plus tard réutilisés par les démons ou encore des sirènes
pour confectionner des produits. On pouvait voir même des huiles. Et on utilise tous ces produits-là sur la terre. Pourquoi ? Envoûter les humains ou encore transmettre des maladies. Et si ces produits-là sont fabriqués par les sirènes, vous allez les voir sur la terre ici sous forme de rouge à lèvres, sous forme de fond de teint. Toutes ces belles choses qu'on voit là. Franchement, nous devons prier sur des objets comme ça. Il y a des choses graves qui se passent dans ce monde. Même je te pourrais dire, mais nous devons éviter ces choses. Il y a des choses graves. Et quand elle a dit ça, moi-même, ça m'a choqué. Parce qu'il y a plein de soeurs ici qui sont fans de make-up. Je me demande, mais comment ça se passe avec elle? Est-ce qu'elle est mauvaise et qu'elle est même en relation avec le livre de la sirène? C'est que tous ceux qui utilisent ces genres d'instruments provenant du monde de la sirène ont tous leur nom écrit dans le livre de la sirène ou encore dans le livre de la démon. Autrement dit, si ces gens-là ne se confessent pas, ne se donnent pas à Dieu et qu'ils meurent dans ça, ils iront tous à l'enfer parce qu'ils ont déjà leur nom écrit dans le livre de la sirène à cause du lien qui existe entre eux. Par quoi ? Par les produits qu'on utilise, les choses qui sont sur le marché, les choses même qui sont faites pour embellir le corps des humains. Mes frères et sœurs, nous allons vous poser une question. Si une sorcière doit, par exemple, entrer dans une église pour séduire un homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bien évidemment bien se maquiller, elle va bien arranger son apparence. Tout ce qui va lui servir à embellir son apparence là, va provenir d'où? Du monde de la sirène, les rouges à lèvres, les fonds de teint. On ne sait même pas d'où ça quitte. Un jour, on a reçu une information grave. On nous a dit qu'en Asie, là, le condamné à mort, là, ce qu'on tue, là, après, on utilise quoi? Leur peau, leur corps pour fabriquer ça. Moi, je ne savais pas que dans le monde de la sirène, c'était la même chose qui se passait là-bas. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde de la sirène, là, c'est ce qui a été reproduit sur la terre par des satanistes. Ils ont vu ça où? Tout ce qu'on crée aujourd'hui dans ce monde-là provient du monde des esprits. Soit sachez ça immédiatement. Ça veut dire que les voitures, toutes ces choses qu'on voit sur la terre, là, ça vient de quelque part, qui est d'ordre spirituel d'abord, parce que ça se passe spirituellement avant de venir physiquement. Donc quand on nous parle de ces choses-là, franchement, nous devons réveiller notre esprit là-dessus et chercher à découvrir pourquoi on dit cela, pourquoi on dit ces choses. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous massivement sur Nyons Reborn. Même en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous abonner. N'hésitez surtout pas à activer la cloche pour ne surtout pas manquer cette vidéo qui va venir. Nous vous avons dit que des vidéos très puissantes allaient venir. Dieu lui-même est en train de se glorifier, se manifester sur Nyons Reborn en nous, ton nom. Des témoignages pour confirmer tout ce que nous avons dit. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Soyez prêts! Parce que la prochaine vidéo va sans doute vous étonner. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au travail des dons. Ça fera que évolue le travail et nous permet d'acheter les matériels pour pouvoir développer notre arsenal ou coffre de choses extraordinaires. Merci pour vos j'aime. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos pour que le corps du Christ ou encore les gens puissent voir leurs yeux s'ouvrir. C'est incroyable, mes frères. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, que Dieu lui-même nous ouvre les yeux et organise notre temps afin que ce témoignage-là, nous puissions le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ne manquez surtout pas cette vidéo et regardez le tournage précédent, le tournage très puissant qui a précédé, que nous avons traité le lundi et le jeudi dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. On se revoit.